حيث كما كتعرفوا حتى انا عندي تلاميذي وعندي خصني ندير لهم الفروض ونصحح الفروض وندخل النقط، اذا بزاف ديال الامور، اذا سامحوني الا كان شي تقصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا أنا باقي مستمر معكم في سلسلة الفروض المرحلة الثانية ديال المراقبة المستمرة، وبالخصوص المستويين الخامس والسادس في مادة اللغة الفرنسية. إذا الفرض الثاني في الدورة الأولى المستوى الخامس ابتدائي، اليوم غادي نديرو لاكتيفيتي دو لورتوغراف. اللي باقي ما شاهدش الفروض اللي درتهم في القناة يمشي يشاهدهم. درنا الغرامير ديال السادس، درنا كذلك الكونجيغيزون الكومبريونسيون دو ليكري بالنسبة للخامس، درت جوج ديال النماذج ديال النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس، وأنا مستمر معكم. وأنا قلت لكم في الفيديو السابق بانني للاسف الشديد ما كيبقاليش الوقت باش نصور الفيديوهات، حيث كما كتعرفوا حتى انا عندي تلاميذي وعندي خصني ندير لهم الفروض ونصحح الفروض وندخل النقط، اذا بزاف ديال الامور، اذا سامحوني الا كان شي تقصير. اذا هذا الفيديو كما قلت لكم كيخص الفرد الثاني في لورتوغراف، داكوغ في لورتوغراف عندي فيه ثلاثه ديال الاسئله، ثلاثه ديال الكاستيون سون تري سامبل. لا بروميير كاستيون سي كومبليت لي فراز افيك ا او ا، دونك هاد لي فراز هادو غادي نكملهم سوا باغ ا افيك اكسون او بيان ا sans accent. A avec accent, il y a une préposition. Préposition qui sert à introduire le lieu ou bien le verbe ou bien la manière. D'accord? Donc, il y a le complément du verbe ou là, le complément de lieu ou là, le complément de manière avec le verbe. D'accord? C'est le verbe avoir. D'accord? Le verbe avoir. Le verbe avoir au présent. D'accord? Au présent. Ou le fait avoir fait dans le présent, d'accord, dans le hadir. Donc Asma a un rendez-vous à 19h. Asma a un rendez-vous, donc Asma a un rendez-vous. Asma a un rendez-vous avec 7, d'accord. Donc Asma a, donc c'est le verbe, donc on dit a sans accent. On va dire a avec accent, on va indiquer quoi, indiquer le temps. A indiquer le temps, d'accord, 19h, masva. À quoi sert un projet? À quoi sert un projet? Donc, naya, regarde la phrase, c'est une phrase interrogative, donc radit d'ab, a avec accent. À quoi sert un projet? La famille a visité Rabat et a aimé la tour Hassan. Donc, la famille a visité Rabat et a aimé la tour Hassan. Donc, on a le verbe visiter, mais ça refait le passé composé. Mais l'auxiliaire avoir, d'accord. La famille a. La famille a, c'est l'auxiliaire. L'auxiliaire, pardon. Hein? Mais visiter, c'est le participe. Participe passé. Donc, on dit le a sans accent. D'accord, le verbe. Kadalik ne, a sans accent. Donc, la famille a visité Rabat et a aimé la tour Hassan. Donc, on a cette question. C'est la question qui est liée au cours de l'âge. Les homonymes A et A. Il y a le fait entre A et A. D'accord. Les homonymes sont les mots qui sont similaires de l'un à l'autre. D'accord. Numéro 1, question 2. Question 2, complète par A. Et donc radin kmlou bhad e hadi ou lhad e hadi. Donc had e hadi, c'est le verbe être au présent. D'accord, le verbe être au présent. Mais had e hadi, c'est un élément de liaison. D'accord, liaison. Il y a l'élément de la rabat qui ربط les phrases. D'accord. Donc Youssef est content. Youssef farhan. Youssef est content, had la phrase hadi, mais fiach le verbe d'être. Donc, qu'est-ce que le verbe? Donc, on dit le EST. Youssef est content. Hamza est malade. La même chose. Donc, on a obtenu EST. Kamal et Rachid viennent le voir. Kamal ou Rachid, machine isoro. D'accord? Donc, on a dit le E. Et il a dit que tu me dis, mais quand j'ai dit le rakak, Kamal vient voir Hamza. On a obtenu Rachid vient voir Hamza, on dit Kamal ou Rachid vient le voir, vient voir Hamza, d'accord. Touria est ambitieuse, est, d'accord. Donc, on a besoin de le verbe, d'accord.
دونك هذا الدرس هدايا كيتعلق عاوتاني بلي زومونيم. لي زومونيم دونك الكلمات المتشابهه من حيث النطق اي اس تي اي او تي اي افيك اي اس تي سي لو فيرب اي اي او او تي ليليمون دو ليزون داكوغ. نمرو لكيسيون 3. Question 3, Abdani Sahel. Question 3 accorde convenablement le participe conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, il y a un mot, il y a le passé composé. Il y a le verbe arriver et partir et sortir. Il y a le participe passé. Il y a accordé avec le verbe, avec l'auxiliaire. D'accord? Nous sommes, ils sont, Hamza et. C'est le verbe avoir. Verbe avoir. D'accord? Pardon. Verbe être. D'accord, c'est le verbe être. D'accord, c'est le verbe être. Donc conjugué au présent de l'indicatif, rasidou alayh le participe passé du verbe pour avoir le passé composé. D'accord, باش نحصلوا على واحد لو فيرب مصرف le passé composé. Donc arriver, شنو هو le participe passé ديالو qui est le e a ri v. C'est le accent. D'accord, ولكن هنا عندنا nous sommes la première personne du pluriel. هي nous. Donc, c'est S. D'accord? S du pluriel. Et là, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire si le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être. D'accord? Là, il y a partir. Il y a parti. D'accord? Ou radinzid, je radinzid, radinzid S. Radinzid ES. Radinzid ES, fil halad, il a quand tu dis head. Donc la troisième personne du pluriel féminin, d'accord. On dit de E du féminin, on dit de S du pluriel. Là, Hamza est sorti. Donc on dit Hamza est sorti comme ça. Sorti, d'accord. Hamza est sorti. Donc on dit de E. On dit de E, il a quand même par exemple Fatima. Il a quand Kautar. Il a quand Yusra. D'accord. Donc Hamza est sorti, on dit de E. Donc, je n'ai pas dit que c'est le participe passé ou la corde. D'accord, c'est la corde, c'est le participe passé, mais c'est l'auxiliaire. Donc, c'est la corde du participe passé, c'est le participe passé, mais avec l'auxiliaire. C'est quel auxiliaire? L'auxiliaire. D'accord, l'auxiliaire. واش مفهوم؟ دونك كنتمنى انكم تكونوا كتفهموا معايا في قناه التربويات مع الاستاذ محمد البخاري. زيدوا دعموا القناه بالاشتراك والضغط على زر اللايك باش تشجعوا المحتوى الهادف التعليمي. كنتمنى لكم كل التوفيق في هذه الفروض. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.